la lettre. Ce thème est tiré d'un passage célèbre de Saint Paul, 2 Corinthiens 3, 6. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Pour comprendre cette maxime de Saint Paul, il nous faut examiner l'épisode de la vie d'Origène. Origène a vécu de 185 à 253. Origène est considéré comme le père de l'exégèse, soit le pionnier de l'étude critique des textes bibliques. C'est ça l'exégèse, l'étude critique des textes bibliques. Alors, le père de l'exégèse, c'est Origène. En 215, à 30 ans donc, il va se castrer pour se soustraire à toute tentation libidineuse, suivant ainsi à la lettre Matthieu 5, 29 à 30 et Matthieu 19, 12, qui disent respectivement ceci. Si donc ton œil droit est pour toi occasion de chute, enlève-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la gêne. Ça, c'est Matthieu 5, 29 à 30. Matthieu 19, 12. Il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Alors, lisons ces textes. Origène, qui deviendra le père de l'exégèse, va se castrer, disant, pour me soustraire à toute tentation libidineuse, à toute tentation sexuelle, il faut que je me castre. À la fin de sa vie, dans son commentaire de l'évangile de Matthieu, Origène condamne fermement toute interprétation littérale de Matthieu 19, 12, affirmant que seul un idiot interpréterait le passage comme préconisant une castration littérale. S'étant déjà castré, dans son commentaire de l'évangile de Matthieu, Matthieu dit que celui qui lit ce texte de manière littérale est un idiot. Celui qui comprend la castration dont parle Matthieu 5, 29 à 30, et même Matthieu 19, 12, c'est lui qui comprend littéralement. C'est lui qui s'attache à la lettre de ce texte. C'est un idiot. On ne saura jamais dire en quoi cette bourde a marqué la théologie d'Origène. Tout ce qu'on sait est que de lui, nous avons appris aujourd'hui à distinguer trois sens de l'écriture. Origène dit que quand vous avez un texte de la Bible, le texte a trois sens. Le premier sens, c'est le sens littéral. Le deuxième sens, le sens moral. Le troisième sens, c'est le sens spirituel, correspondant aux trois parties de l'homme: le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il y a un moment où tu lis le corps d'un texte, tu es encore au niveau du corps d'un texte. Sens littéral. Quand on dit par exemple, il faut arracher l'œil, il faut se couper la main, tu es au niveau du corps. Mais il faut entrer au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc, sens littéral, sens moral et sens spirituel. À ses yeux, le plus simple, les chrétiens simples, pour revenir à son texte, les idiots sont édifiés, interpellés par la perception immédiate qui est comme la chair de l'écriture. Il s'arrête là. Bon, voilà. Jésus a accompli un miracle. Il a ouvert les yeux des aveugles. Sens littéral. C'est ça que dit le texte.
Donc il va s'arrêter là. Jésus a fait des miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il s'arrête là. Sens moral, celui qui fait un pas de plus, il interprète moralement l'écriture. Il dit, ah, voilà, Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, c'est une manière pour lui de nous inviter à ouvrir les yeux sur les péchés que nous commettons. Nous sommes aussi des aveugles si nous péchons. Nous sommes aussi des aveugles si nous demeurons dans nos péchés. Nous sommes, voilà, l'interprétation est morale, le sens moral. Et puis après, le sens spirituel. Il dit, nous sommes des aveugles. Hein? Plus profondément, nous sommes des aveugles si nous ne découvrons pas que le Christ est la lumière du monde. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'héritage d'Origène. L'homme qui s'est castré, interprétant littéralement Matthieu 5, 29 à 30, Matthieu 19, 12. Dans ses vieux jours, il a compris. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on doit interpréter les textes. J'ai été idiot en l'interprétant de cette manière-là. Et il nous a laissé le souvenir qu'il y a trois sens. Chaque fois que nous sommes devant un texte biblique, le sens littéral, le sens moral et le sens spirituel. Le sens littéral, c'est le texte dans sa nudité. Quand on a le texte, on dit, voilà, Jésus a ouvert les yeux des aveugles et on s'arrête là. Deuxième sens, le sens moral, quand on commence à interpeller. Mes frères, vous voyez, nous sommes aussi des aveugles. Lorsque tu abandonnes ta femme, tu vas suivre une prostituée, tu es aveugle. Jésus doit te guérir. Sens moral. Mais le sens spirituel, le sens le plus élevé, c'est celui qui nous amène vers Dieu. Nous sommes des aveugles si nous ne découvrons pas que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Ça, c'est spirituel. Parce que là, nous allons en Dieu. Nous revenons au Christ. Et quand vous lisez 2 Corinthiens 3, 6, vous allez comprendre que lire spirituellement les Écritures, c'est rapporter tout ce qu'on trouve dans l'Écriture, le rapporter au Christ. C'est ça la lecture spirituelle en fait des Écritures. Voir Jésus partout. C'est lui qui a prêché la apocatastase. C'est-à-dire la restauration de tout en Christ. Il dit qu'à la fin des temps, Dieu va pardonner à tout le monde, même au diable. Il a dit par exemple ça. Il y a des gens qui ont pris sa doctrine et à partir de sa doctrine, certains sont devenus des hérétiques. Alors maintenant, on a jugé Origène sévèrement à partir de tous ceux qui ont mal interprété ses écrits. Et lui a été jugé à l'aune, à la lumière du concile de Nicée. Alors que lui, il a écrit avant le concile. Parce que la foi a été définie à Nicée. Mais avant Nicée, bon, chacun y allait un peu dans son sens. Alors, lui maintenant, on les juge après Nicée, avec les lunettes de Nicée, alors que lui a vécu avant. C'est ça aussi son malheur. Mais le plus grand malheur, c'est qu'il s'est castré. On dit que bon, Démétrius avait des problèmes avec lui. Peut-être pour les discréditer, il a commencé à dire ça. Ça, c'est les spécialistes qui expliquent ça. Mais au moins, retenez qu'il y a un quelqu'un qui a marqué. On dit qu'à part Saint-Augustin, C'est l'un des écrivains le plus marquant des premiers siècles du christianisme. C'est ainsi que même si il a fait ce qu'il a fait, ça, on l'étudie au séminaire, dans la patrologie. Même si on ne nous considère pas comme vraiment père de l'Église, mais on l'étudie. Parce qu'il a écrit des choses importantes, Origène. Bon, les gens aussi parfois ne comprennent pas ce que c'est castré. Je vais un peu expliquer. Castré, ce n'est pas couper le sexe, c'est enlever les testicules. J'ai expliqué les trois sens de l'écriture. Voilà. Donc, alors il dit, le parfait est édifié par la loi spirituelle qui contient une ombre des biens à venir. La lettre tue, l'esprit vivifie, est donc une invitation à lire spirituellement les écritures. À travers cet exemple d'Origène, je vous ai expliqué 2 Corinthiens 3, 6. La lettre tue, l'interprétation littérale des écritures tue. Il faut, des écritures, avoir une interprétation spirituelle. Il ne faut pas lire seulement littéralement le texte. Il faut aller jusqu'au sens spirituel. C'est vrai au début, vous commencez par le sens. Quand vous venez de commencer, c'est normal. Miracle de Jésus, Jésus ouvre les yeux des aveugles, oui.
C'est un miracle, c'est un fait. Deuxièmement, le sens moral, il est aussi important. Mais il faut aller vers le sens spirituel. Et je vous ai dit que le sens spirituel consiste à tout ramener à Christ, à Jésus-Christ. Voir Jésus partout. Il dit, Joseph, on a vendu Joseph. Non, Joseph là, c'est en réalité Jésus. Donc, voir Jésus partout. Quand tu lis les Écritures, tu dis, non, on nous cache Jésus. N'importe quel texte que tu as, trouve un peu Jésus caché derrière. Et ça, le sens spirituel. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que toutes les Écritures parlent de moi. Vous scrutez les Écritures, mais elles parlent de moi. Le sens spirituel. Donc, maintenant, la lettre est tue. C'est-à-dire, si vous lisez littéralement le texte, vous risquez de tomber dans l'erreur d'origine. On a dit, il faut couper l'organe qui t'amène au péché. Et lui s'est castré. Mais à la fin de sa vie, il dit, non, c'est idiot. C'est pas bien. Celui qui fait ça, c'est un idiot. Il n'a pas compris les textes. Alors, la lettre l'a tué. L'interprétation littérale du texte l'a tué. Tandis que s'il avait fait une interprétation spirituelle, il aurait eu la vie. L'interprétation spirituelle l'aurait vivifié, lui aurait donné la vie. Alors maintenant, notre thème c'est l'esprit de la lettre. Quand vous, c'est-à-dire l'esprit du texte. Quand vous avez un texte, cherchez l'esprit qui est derrière. Amen. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que la première lecture d'aujourd'hui, acte 15, 7 à 21, est la suite du texte d'hier, acte 15, 1 à 6. Les chrétiens issus du judaïsme, esclaves de la lettre, de la loi, esclaves de l'interprétation littérale des Écritures, viennent troubler les chrétiens venus du paganisme. Les juifs, eux, étaient déjà circoncis. Les non-juifs, les païens, ceux des nations, n'étaient pas circoncis. Or, la circoncision, c'est dans l'Ancien Testament. C'est une loi, disons, de l'Ancien Testament. Alors, faut-il imposer la circoncision aux chrétiens venus du paganisme? C'était ça la question. Qui a commencé, nous avons commencé cette méditation hier. Il y a des gens qui sont venus dire aux chrétiens venus du paganisme, aux paganos, disons comme ça, appelons comme ça, parce que les autres nous appellent judéo-chrétiens, ils sont venus dire aux pagano-chrétiens, si vous ne recevez pas la circoncision, selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Justement, quand nous lisons Genèse 17, quand nous lisons l'histoire de Moïse, on nous montre que c'est lui qui n'est pas circoncis et passible de mort. Alors vous, vous êtes venus du paganisme, vous êtes des anciens païens, vous venez ici, vous commencez à parler avec nous les juifs, parce qu'un juif ne devait pas frayer avec un incirconcis, ne devait pas parler, ne devait pas côtoyer un incirconcis. S'il côtoie un incirconcis, il s'essouille. Alors maintenant, nous, nous sommes des juifs. Nous allons vivre avec ces incirconcis. Nous allons nous mettre avec eux, prier avec eux. Alors il faut qu'ils se fassent aussi circoncire. C'était ça le débat. Maintenant, le concile va se réunir à Jérusalem. Le tout premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem, et va traiter cette question. Faut-il imposer, oui ou non, aux chrétiens venus du paganisme, la circoncision, ou faut-il les laisser libres? C'est ça la question qui est traitée aujourd'hui au concile de Jérusalem, que beaucoup aussi appellent synode, parce que il rassemblait un nombre réduit d'évêques à l'époque. Bon, mais c'était ce qu'on avait à l'époque, qu'on appelle le premier concile de l'Église à Jérusalem. C'est ça la question qui a été traitée au premier concile de Jérusalem. Faut-il circoncire les païens, oui ou non? Amen. Amen. Alors, la solution sera donnée au concile. Qu'est-ce qu'on va dire? La conclusion est là, donnée par
Jacques, Jacques le juste, il ne faut pas, Actes des apôtres 15, 19 à 20, il dit, il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc on résume tout, on dit voilà, les païens devenus chrétiens, nous n'allons pas leur demander d'observer toutes les prescriptions de la loi mosaïque. Demandons-leur d'observer ce strict minimum. Et en quoi consiste le strict minimum? 1. Abstenez-vous. Païens, vous êtes devenus des chrétiens, nous n'allons pas vous circoncire. Nous, c'est notre histoire des juifs. Nous ne voulons pas être esclaves de la lettre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Guidé par l'esprit, ayant une interprétation spirituelle des Écritures, nous disons que on ne vous soumettra pas à la circoncision, mais nous vous demandons seulement de vous abstenir de ce qui a été souillé par les idoles. Donc abstenez-vous de l'idolâtrie. Ne vous mariez pas en désordre. Fuyez l'inceste. N'épousez pas votre sœur. Vous les païens, on apprend que vous avez l'habitude. Ne faites plus ça. Enfin, ne mangez pas les chairs étouffées et ne mangez pas du sang. Ne buvez pas du sang. Vous ne mangez pas parce que parfois on le prépare. Quand on prépare le sang, on le mange. Le sang préparé, on ne le boit plus, on le mange. Actes 15, 19 à 20. Voyons de plus près ces trois interdits. Premier interdit, interdiction de la mendication, de la consommation des viandes offertes aux idoles, c'est-à-dire les idolotites. La viande des animaux immolés dans les sacrifices païens. Donc, les païens offraient à leur dieu des viandes ou des animaux. Alors, il y avait ce qu'on donnait aux dieux, mais il y avait le reste. Le reste était vendu au marché. Alors, un débat surgit. Un chrétien peut-il consommer les idolotites, oui ou non? Idolotites. On a pris une chèvre. On l'a offerte à un dieu païen. À un dieu qui n'est pas en fait un dieu. On lui a offert ça. Bon, maintenant, les restes étaient vendus au marché. Un chrétien peut-il manger de cette viande? La solution donnée par le Concile de Jérusalem est que les chrétiens doivent s'abstenir des idolotites. Les idolotites, ce sont ces viandes-là. Mais quand vous lisez Corinthiens 8, 10, vous comprendrez que même sur cette question, Paul va faire encore un pas. Il va dire normalement un chrétien doit manger tout ça parce que les dieux là n'existent pas. Mais le chrétien qu'il ne consomme pas cette viande là parce que lui, le chrétien qui fait ça peut être fort spirituellement, mais en consommant cette viande, le chrétien faible qui le verrait consommant cette viande peut être scandalisé. Donc pour Paul, donc il dit normalement on doit manger, il n'y a pas de problème, mais nous évitons de manger ces viandes là pour ne pas scandaliser. Un chrétien pouvait-il manger ses viandes sans pactiser avec l'idolâtrie? Donc, si tu manges ces viandes, est-ce que tu ne pactises pas avec l'idolâtrie? Paul répond comme en Romains 14 et chapitre 14 et chapitre 15. Le chrétien est libre, mais l'amour, la charité exige de lui qu'il respecte l'opinion des faibles, des scrupuleux, et qu'il évite de les scandaliser. Il va même dire que si la viande peut perdre mon frère, je ne mangerai plus du tout de viande. Je vais renoncer à toute viande pour ne pas scandaliser. Quelle interpellation pour nous, hein? Paul dit, normalement manger la viande là c'est rien, mais en mangeant je risque de scandaliser quelqu'un. Un faible peut me voir consommant cette viande, il va dire, oh, vous voyez ces gens, ils ne se sont pas encore convertis, il est encore dans les idoles. Pour éviter de scandaliser les faibles dans la foi, pour éviter de scandaliser les petits dans la foi, Paul dit, je m'abstiens de cette viande-là, même si je sais que sa consommation n'est pas en soi un péché. Il y a des filles qui s'habillent mal. Dis non, moi je m'habille mal. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Merci, toi tu n'as pas de mauvaises intentions. Mais l'homme qui te voit habillé ainsi, il est scandalisé.
tu fais tomber des gens. Tu écroules des gens. Tu connais le nombre de gens que tu fais tomber. Ah, moi je porte. C'est lui qui tombe, qui lui tombe. Paul lui dit que si la viande peut faire chuter mon frère, je refuse de manger la viande. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Mais si elles font chuter nos frères et sœurs, nous devons y renoncer. Là, lisons Romains 14, Romains 15. 1, 2, interdiction des unions illégitimes. Pornéa. Le concile de Jérusalem dit, voilà, vous les chrétiens, vous les païens, qui êtes maintenant devenus chrétiens, tenez-vous à ceci. Évitez les unions illégitimes. Union illégitime, c'est-à-dire les mariages illicites. Lévitique 18, 6 à 23 nous donne une idée de ces unions illégitimes. Nul de vous, lisons ensemble, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille ou de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de la femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suyer avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire pousser, passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour le suyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Voilà. Union illégitime. Le concile dit, vous êtes des chrétiens, vous venez du paganisme, peut-être que quand vous étiez païen, vous vous mariez entre vous, entre frères et sœurs. Maintenant que vous êtes devenus chrétiens, plus d'union illégitime. Tenez compte de Lévitique. Lévitique 16. Lévitique 16, 6 à 23. Tenez compte de cet exemple. Vous voyez, dans la Bible, on dit découvrir la nudité. C'est pour parler des relations sexuelles. Oui, d'abord. Mais découvrir la nudité, ça peut être aussi tout regard intéressé. Tu as une cousine à la maison, elle est mal assise, tu commences à passer par là pour voir. C'est interdit. Et la cousine aussi qui a un frère à la maison, le frère là s'assoit le soir avec une grosse culotte comme ça, sans rien à l'intérieur. On dit aux païens nouvellement convertis, abstenez-vous des idolotites, abstenez-vous des unions illégitimes. Troisième point, on leur dit, abstenez-vous de la consommation des chairs étouffées et du sang. Voilà la question. Les gens qui disent, nous nous suivons la Bible, dites-leur, mais qu'a dit le concile de Jérusalem. Le conseil de Jérusalem a interdit la consommation des chairs étouffées. Je vais expliquer ça. Le terme kasher, c'est pas caché, kasher provient de kashrut, code alimentaire prescrit aux juifs dans divers passages de la Torah. La Torah, c'est la Bible hébraïque. Les aliments conformes à ce code alimentaire sont dits kasher. Les musulmans parlent de viande halal, c'est-à-dire
apte ou convenable à la consommation. La viande doit provenir d'animaux purs d'abord. Animaux purs. Il faut pas, hein? Déjà, cachère, c'est animaux purs. On ne peut pas prendre le porc. Il n'y a pas de cachère de porc. Parce que le porc est déjà un animal impur. Et pour les juifs et pour les musulmans. Il n'y a pas de halal avec le porc. Animaux purs. Mais toutes les parties de ces animaux ne sont pas autorisées à la consommation. Même là. Hein, toutes les parties ne sont pas autorisées. Les animaux ensuite doivent être abattus suivant les rites. On ne peut pas abattre un animal comme ça. On doit l'abattre selon un rituel bien connu. Par exemple, les animaux morts naturellement, accidentellement, morts tués par un prédateur ou encore tués à la chasse sont exclus. Donc chez les juifs, tu ne peux pas manger un animal mort naturellement. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas une bête déchirée dans les champs. Exode 22, 30. Donc la sainteté était même à ce niveau-là. Ne pas manger une bête déchirée dans les champs. Elle ne devra présenter aucun défaut de constitution, des maladies ou blessures. Enfin, le sang devra en avoir été éliminé. Donc pour manger une viande, la viande cachère, la viande halal, il faut enlever tout le sang. Vous ne mangerez rien avec du sang. Donc, quand un musulman tue lui une bête, un juif, il prend soin d'en éliminer tout le sang. Lévitique 19, 26. Tiens ferme à ne pas manger avec le sang. À ne pas manger avec le sang. Car le sang, c'est l'âme. Et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas afin qu'il t'arrive du bonheur. Ainsi qu'à tes fils après toi. Parce que tu auras fait ce qui est droit à mes yeux. Le bonheur est lié à ça. Deutéronome 12, 23 et 25. De plus, il faudra éviter les mélanges viande-lait. Et bien sûr, viande-aliment. Ou ustensiles impurs. Donc, chez les juifs, par exemple, tu as une casserole dans laquelle tu as préparé la viande. Tu ne peux pas utiliser cette casserole pour préparer le lait. Voilà. Donc, il y a là trois interdits. Le premier et le troisième interdit sont d'ordre alimentaire. Le deuxième est d'ordre sexuel. Maintenant, regardez. Chez le concile, lisant la Bible, lisant l'Ancien Testament, dit aux chrétiens, non, la circoncision, laissez tomber. Mais comme ils étaient encore un peu juifs, ils disent, mais il ne faut pas quand même tout laisser tomber, qu'on garde même des petits riens. Les petits riens, c'est quoi? Bon, qu'on garde encore quelque chose, Quelque chose, c'est quoi? Pas d'union illégitime, pas d'idolotite, pas de chair étouffée, pas le sang. Pourquoi ne pas imposer la circoncision aux païens, mais leur imposer de ne pas consommer le sang? Vous comprenez? C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent le sang, il n'y a pas de problème. Parce que comment ils laissent? Ils disent, bon, circoncision, pas question, mais sang, le sang, hein, par rapport à la circoncision. La circoncision est le signe que vous entrez dans l'alliance. Mais je pense que au concile de Nicée, ils ont voulu couper la poire en deux. Ils n'ont pas voulu que le changement soit révolutionnaire, brusque, au risque aussi de scandaliser les juifs. Parce que si vous entendez, vous dites, on dit que si tu ne consommes pas le sang, Dieu va te bénir. Si tu manges cachère, il y a des bénédictions attachées à cette consommation de la viande selon le code alimentaire de l'Ancien Testament. Si le concile avait été trop tranchant jusqu'à attaquer ce code alimentaire dans ces éléments ici, ça aurait aussi été scandaleux pour les juifs. Vous comprenez? Donc la décision du concile de Jérusalem est pastorale. En même temps, on ménage les païens en disant on ne vous impose pas la circoncision. En même temps, on ménage les juifs en leur disant oui,
les païens qui ne mangent pas les idolotites, les païens qui se gardent des unions illégitimes, les païens qui se gardent des viandes étouffées, qui se gardent de consommer du sang. Donc c'est une décision pastorale. On a coupé la poire en deux. On a voulu contenter plus ou moins tout le monde des deux camps en présence. On a voulu les contenter. Ça, c'est le conseil des choses, le tout premier. Amen. Voilà. Maintenant, je donne une conclusion. J'ai dit quoi? J'ai dit, lorsqu'on considère ces trois interdits retenus, c'est-à-dire interdiction de la consommation des idolotites, interdiction des unions illégitimes, interdiction des viandes étouffées et de la consommation de sang, lorsqu'on considère ces trois interdits retenus pour mettre fin au débat entre les tenants et les opposants de la circoncision des païens convertis au christianisme, on doit reconnaître que le premier concile de l'Église consacra la victoire de l'esprit sur la lettre de la loi. Et on peut déjà lire dans cette conclusion les belles affirmations de Paul sur le sujet. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, 19. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, 15. Déjà avec ça, en relativisant la circoncision qui était pour les juifs une loi fondamentale, parce que c'était par ce signe qu'on était agrégé au peuple de Dieu, qu'on devenait membre du peuple saint. On devait avoir dans sa chair le tatouage qui montre que vous appartenez à Jésus-Christ. Parce que chez les juifs, c'est comme ça qu'on faisait. Quand on a un animal, on le tatoue. Le tatouage montre que l'animal appartient à tel. Alors les juifs aussi devaient avoir dans leur chair un signe montrant qu'ils appartenaient à Dieu. Et ce signe était la circoncision. Mais maintenant, au concile de Jérusalem, on relativise ce signe. C'est-à-dire on dit que bon, le signe là, c'est la lettre. C'est la lettre qui tue. Tandis qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est devenir une nouvelle créature. Nouvelle créature, c'est l'esprit. Vous comprenez? La lettre tue. L'esprit vivifie. Quel est le sens spirituel de même quand on donnait la circoncision, c'était pour que cette personne appartienne à Dieu. C'est ça qui est important. Appartenez à Dieu. Parce qu'il y a des juifs circoncis dans leur chair, mais qui, dans leur cœur et dans leur âme, n'appartenaient pas à Dieu. Soyez plutôt des nouvelles créatures. Que votre foi soit agissant par la charité. Amen. Observez les commandements de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui est circoncis et il ne s'accroche qu'à la circoncision. À part la circoncision, il ne fait rien d'autre. Je suis circoncis. Mais à part la circoncision, il y a d'autres commandements de Dieu. C'est comme aujourd'hui pour nous les chrétiens. La circoncision, c'est le baptême. C'est par le baptême que nous sommes agrégés au peuple de Dieu, que nous devenons membres du peuple saint. Mais nous avons le baptême. Est-ce que tous ceux qui ont le baptême observent les commandements de Dieu? Non. Tous ceux qui ont le baptême, est-ce qu'ils sont des nouvelles créatures? Non. Tous ceux qui ont reçu le baptême, est-ce que leur foi est agissante par la charité? Non. Amen. L'essentiel dont je vous parlais hier, pour montrer que vous avez la sève du Christ circule en vous, accrochez-vous à l'essentiel. Est-ce que je suis une nouvelle créature? Est-ce que ma foi est-elle agissante par la charité? Est-ce que j'observe le commandement de Dieu? Le premier point, c'était la lettre de la loi, c'est-à-dire le texte, le sens littéral. Alors, nous avons dit que ce sens littéral a été dépassé. Mais maintenant, à quoi est-ce qu'on nous tourne? On nous tourne vers l'esprit d'amour. La lecture de l'évangile de ce jour, Jean 15, 9 à 11, nous tourne vers l'esprit qui vivifie. Et cet esprit, c'est l'amour.
demeurez dans mon amour, gardez mes commandements. On connaît la réponse de Jésus à la question de savoir quel est le plus grand de tous les commandements. Jésus répond, Matthieu 22, 36 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme je ne cesse de vous le dire, c'est ça le cœur du christianisme. Aimer Dieu, aimer le prochain. Tu es né de nouveau lorsque tu as des facilités pour aimer, lorsque tu as des difficultés pour haïr. Mais tu es chrétien, tu as des facilités pour haïr et des difficultés pour aimer. Dans quel domaine tu as des facilités? Ah, j'ai plus de facilités pour aimer. Mais si tu es chrétien, tu t'es dit né de nouveau, tu prêches la parole de Dieu, mais tu as des facilités pour haïr et des difficultés pour aimer, tu n'es pas un chrétien. Tu trompes. Tu trompes. Tu es quelqu'un qui parle du christianisme, mais tu n'es pas un chrétien. Tu es quelqu'un qui fréquente l'église, mais tu n'es pas un chrétien. Tu as cette facilité à haïr, à lâcher les gens, à supprimer les gens, à ne pas les regarder, à les abandonner. C'est facile pour toi. Un petit rien, tu élimines. Tu as un carnet noir. Il suffit d'une petite erreur, tu élimines. La personne là demain quand tu la vois, tu ne la salues plus comme autrefois parce que tu as appris qu'elle a fait ceci, elle a fait ça. Tu as des facilités pour ça. Tu as beaucoup d'ennemis. Dans ton cœur là, il y a autant de prisonniers à l'intérieur. Il m'a fait ça. Condamné à mort dans ton cœur. Ton cœur est un cimetière. Tous les jours si tu enterres les gens dans ton cœur, tel m'a fait ceci, tu l'enterres. C'est fini. Je vais commencer seulement à le regarder. Je le mets sur ma liste noire. Le chrétien, c'est ici. C'est l'amour de Dieu. C'est pas que tu vas faire un effort. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'amour. Allons-y. Esprit Saint. Qui nous est donné. C'est-à-dire, quand vous croyez, le Saint-Esprit verse l'amour dans votre cœur. Je vous ai donné mon témoignage. Nous avons eu un différend sur le terrain de football. Alors, je suis allé le voir pour lui demander pardon. Il m'a chassé. Il n'a fait que me chasser. Lui était à l'aise. Moi, je l'ai regardé même à la prière. Pendant le Notre Père là, j'ai regardé, j'ai dit, est-ce qu'il va dire pardonne? Et il disait, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. J'ai dit, mais comment il peut dire ça? J'étais en première année et j'étais scandalisé par ça. Comment quelqu'un qui prie Dieu peut-il se comporter ainsi? Pardonne-nous nos offenses, chaque jour tu dis ça, mais tu as quelqu'un qui tu ne parles pas. Tu as seulement appris. Oh, Blandine a dit ça. Tu ne demandes même pas à Blandine, tu adoptes déjà une attitude. Blandine ne sait rien fait de salut. Bonjour, merveille. Bonjour. Bonjour. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Un jour, deux jours, trois jours, un mois, deux mois, et tu es à l'aise. Et on chante. Mon corps est vrai. Et tu viens et tu communies. Parfois, tu passes même à côté de Blandine. Blandine, mets-toi ici. Parce que quand même, ça peut t'interpeller quand tu es ici, là. Tu attends le corps de Christ. Comme, tu vois la tête de Blandine, non? Ça peut comme t'interpeller. Seigneur. Aimer Dieu. Donc, aimer Dieu est un commandement car il nous est plus facile d'aimer une femme, d'aimer un homme, d'aimer une équipe de football. Tu aimes cet homme, pourquoi? Il n'a rien. Bon, je l'aime. Pourquoi? Je l'aime. Mais il est comme ça, je l'aime. Mais tu l'aimes. C'est facile. Aimer une équipe. Real Madrid a fait quoi pour toi? Barcelone a fait quoi pour toi? Oh, j'aime Barcelone. Tu as déjà été à Barcelone? C'est l'équipe de chez toi. C'est l'équipe de ton village. J'aime Real. J'aime Barcelone. Comment expliquer ça? Ça, c'est facile. Nous ne savons. Personne ne peut expliquer comment il est arrivé à aimer Barcelone. Comment il est arrivé à aimer Real Madrid. Tu ne vas pas dire, oh, c'est parce qu'il gagne toujours. Non. Ces équipes-là perdent aussi. Mais tu ne sais pas expliquer. Mais tu es tombé amoureux. Tu es devenu fanatique du Real, de Barcelone. Tu as aimé cet homme. Il peut être handicapé. Il peut avoir tel défaut. Les autres voient ces défauts-là, toi tu ne le vois pas. Ah, c'est facile. C'est facile d'aimer une star de la musique. J'aime Inosbi.
comment, pourquoi tu l'aimes? Non, il n'a pas expliqué. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'aime pas. Soit tu peux dire, oh, il fait de la bonne musique. Et non, ça, c'est pas de la musique. On ne sait pas expliquer. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Tu peux aimer toutes ces personnalités-là, toutes ces choses-là, mais c'est plus facile de les aimer que d'aimer le Créateur. C'est pourquoi on dit que c'est un commandement. Parce que je ne sais pas, c'est un commandement. C'est-à-dire que c'est un ordre. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, c'est comme l'appétit. L'amour de Dieu, c'est comme l'appétit qui vient en mangeant. Tu veux aimer Dieu? Fréquente-le. Reste avec lui. Parle avec lui. Dieu, c'est comme un avion. Vous voyez l'avion? Quand il est dans les airs, là, vous avez l'impression qu'il est tout petit. Vous pouvez même penser que vous pouvez le mettre chez vous. Mais quand vous allez à l'aéroport, vous vous approchez de l'avion, vous vous rendez compte qu'il est grand. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, quand vous êtes loin de lui, vous n'allez pas bien le découvrir. On ne découvre Dieu que de l'intérieur. On ne découvre que Dieu de tout près. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, fréquentez-le. Pour aimer Dieu, approchez-le. Et même, c'est vrai aussi pour les hommes. Il y a des hommes, des femmes que nous voyons de loin et que nous n'aimions pas. Mais quand nous avons pris le temps de les approcher, de parler avec eux, nous avons vu le petit amour que nous avions augmenter. C'est ça. Il faut fréquenter Dieu. C'est ça. C'est pourquoi on dit que c'est un commandement. Parce qu'il faut commencer par quelque chose. Viens à l'église. Prie. Mets-toi à genoux devant lui. Demande-lui de se manifester à toi. C'est pourquoi on dit que c'est un commandement. Parce qu'il est comme l'appétit qui vient en mangeant. Mets-toi à genoux. Cherche-le. Approche-toi de lui. Là, pourquoi l'amour doit être un commandement? Oui, il est un commandement parce que Dieu a déjà fait beaucoup de pas. Il a créé les cieux et la terre. Il a donné le souffle de vie. Maintenant, il dit, voilà, j'ai fait tout ça. Moi, j'ai déjà fait le grand pas. Fais aussi le pas. C'est ça le commandement. Fais le pas. Viens vers moi. Viens me découvrir. Viens me découvrir. Et puis le Dieu là, c'est un Dieu invisible que tu ne vois pas et que tu dois aimer. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous ne te voyons pas. Mais nous devons t'aimer. Donc il faut poser des actes. Voilà pourquoi Dieu fait cette promesse à tous ceux qui l'aiment. Écoutez la belle promesse ici de Psaume 91, 14. Nous lisons souvent le psaume 91, mais nous ne nous arrêtons pas à cette belle promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît. Donc quand vous aimez Dieu, Dieu va vous délivrer. Quand vous aimez Dieu, Dieu va vous protéger, parce que vous connaissez son nom. Donc il faut aimer Dieu. Approchez-vous de lui en l'aimant. Pensez à lui en l'aimant. Montrez-lui beaucoup d'amour. Distinguez-vous. Pourquoi est-ce que les hommes vont chercher d'autres femmes? Parce que les leurs, généralement, ne leur montrent pas beaucoup d'amour. Bon, il y a des hommes aussi qui sont impudiques comme ça. Mais en fait, ça joue aussi. Nous sommes donc en compétition les uns envers les autres. Nous sommes ici dans cette église. C'est à chacun de montrer à Dieu plus d'amour. Dieu pose la question. Et tel, m'aimes-tu plus que ceci? Chacun doit pouvoir répondre. Oui, Seigneur, je t'aime plus que Marlène. Je t'aime plus que Blandine. Même si tu ne peux pas crier ça. Mais que Dieu, du haut du ciel, remarque que non, celui-ci m'aime plus que cela. On ne vient pas à l'église pour laisser le terrain à d'autres. Pour laisser les autres aimer Dieu. Non, on se bat pour être parmi ceux qui aiment vraiment Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Parce qu'il connaît mon nom. Alors, il faut donc chaque jour dire, pourquoi tel vient à la répétition toujours à temps? Pourquoi tel vient à la prière à temps? Pourquoi tel est si engagé? Moi aussi, je vais faire ça.
Aimer Dieu, c'est garder ses commandements qui ne sont pas pénibles. 1 Jean 5:3. Car il se résume justement en l'amour. Celui qui aime autrui a de ses faits accompli la loi. En effet, le précepte, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Et tous les autres se résument en cette formule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. C'est ça le résumé de notre foi. L'amour, aimer. Et quand tu aimes tes frères, ils ont réunion, tu vas être là. Tu vas être là avec tes frères. Je les aime. Si tu te considères moins important, viens chercher l'onction de la communauté. C'est ça, c'est simple. Si tu te crois important, amène-nous ton onction. Si tu te crois moins important, viens profiter de notre onction. Dis à ton voisin, si tu te crois important, apporte-nous ton onction. Si tu te crois moins important, viens profiter de notre onction. Donc dans tous les cas, tu es obligé d'être avec nous. Aimer le prochain, c'est lui faire ce que tu voudrais qu'il te fasse. Mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi à la place de ton père. Mets-toi à la place de ta mère. Dis, non, ce que je suis en train de faire. Non, j'agis mal. Non, ça, je ne mets même pas à sa place. C'est ça l'amour. Si tu as ce cœur-là, tu te mets à la place de ton père. Pas pour diriger, tu te mets à la place de ton père pour dire, papa s'impose autant de sacrifices pour que moi je puisse étudier. Papa s'impose autant de... En tout cas, je dois quand même lui donner un diplôme. Je dois quand même me marier. Moi, jeune fille, je dois honorer mon père. Il insiste tant et tant. Comme il y a des parents là qui sont calmes pour leurs enfants. Ils disent, ma fille là, elle est sérieuse, elle est assez responsable. Je ne m'inquiète pas. C'est bien que tes parents soient comme ça, calmes. Que tu reflètes une certaine assurance. Que tu dégages. Une certaine maturité qui rassure les parents. Jésus dit que c'est dans ce principe, la règle d'or, Matthieu 7, 12, que sont résumés la loi et les prophètes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Et le prochain, c'est à en croire la parabole du bon samaritain. Tout homme qui est dans le besoin, Luc 10, 33 à 37. Ainsi donc, c'est sous le prisme de l'amour qu'il nous faut relire tous les interdits alimentaires et sexuels. Sous le prisme de l'amour. Parce que quelqu'un peut, au nom de l'amour, tu vas faire le voyeurisme pour attraper des gens en flagrant délit d'adultère. Tu n'as pas l'amour. Toi, tu peux dire non, moi, interdit sexuel. Mais toi, en matière d'amour, dans ta bouche, tu ne vois que les péchés sexuels des autres. Tu n'as pas l'amour. Ainsi donc, c'est sous le prisme de l'amour qu'il nous faut relire tous les interdits alimentaires et sexuels. Si notre cœur est véritablement rempli d'amour, nous saurons jeûner alimentairement et sexuellement. Le chrétien qui se prive à manger pour aider les plus démunis, vis tous les interdits alimentaires de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament t'interdit de manger le porc. Bon, si toi tu ne manges pas le porc, tu t'arrêtes là. Nous, quel est le profit? Quels sont les dividendes que nous en tirons? Mieux vaut jeûner, t'interdire de manger même la viande cachère là, pour aider les pauvres. C'est mieux. Tu as accompli toute la loi. Parce qu'en même temps, tu as jeûné et en même temps, tu as aidé. Le chrétien qui respecte les frontières sexuelles et dont le sexe n'est pas démocratique vit l'esprit de tous les interdits sexuels de la première alliance. Quand seulement tu es discipliné sur le plan sexuel, tu dis non, je suis un homme, je peux avoir des faiblesses, j'ai ma femme, je me contente de ma femme. Donc, les interdits là-haut, tu ne découvriras pas, tu n'es pas là. Les unions illégitimes, tu les as déjà fouillées. Elles ont déjà disparu de ta vie parce que déjà tu respectes les frontières sexuelles. Tu sais que non, je ne peux pas aller au-delà. Je m'arrête ici. Voilà l'interpellation de ce matin, mes bien-aimés. L'esprit de la lettre. Il y a ce que Dieu nous a dit, mais il y a ce que Dieu vise. Et toi, tu es un enfant de Dieu.
tu sais pertinemment bien ce que Dieu attend de toi. Et Dieu attend que tu l'aimes et que tu aimes ton prochain. Quel que soit le texte que tu liras de la Bible et que tu auras envie de le mettre en pratique, sache qu'il doit se résumer en ceci. J'aime Dieu, j'aime mon prochain. Que tout ce que tu fais crie, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Que tout ce que tu dis crie, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Alors là, tu as l'esprit de la lettre. Tu as l'esprit des Écritures. Parce que toute la Bible, nous pouvons la résumer par le mot amour. 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 Aime Dieu, aime ton prochain. Tu pries que ta prière crie, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Ne prie pas pour avoir l'argent. Ne prie pas pour que les gens te voient. Prie parce que tu aimes Dieu. Agis parce que tu aimes tes prochains. Parce que tu aimes tes frères. Parle quand tu ouvres ta bouche. Je parle parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous prions. Première requête. Seigneur, donne-moi de comprendre que la lettre tue tandis que l'esprit vivifie. Donne-moi de comprendre que tu es plus grand que la Bible, plus grand que le droit canonique, plus grand que les traditions et les coutumes. Seigneur, garde-moi de tout laxisme. Qu'au nom d'une conception trop spirituelle de la loi, je ne tombe dans les libertinages. Si tout m'est permis, tout n'est cependant pas nécessaire. Seigneur, remplis-moi par l'Esprit Saint de beaucoup d'amour. Qu'il y ait dans mon cœur toujours de la place pour toi, l'infiniment grand, et pour mes frères et sœurs. Seigneur, tu as dit dans ta parole, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, je t'aime, délivre-moi alors de tout mal, et protège mon corps, mon âme et mon esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.